Oh la vache! Ouh! Attends. Parce que du coup, je crois qu'on a trouvé le trafic en armes. Oh oui, je le crois. Ok, mon pote. Il paraît que tu fais des trucs intéressants avec des armes. Et je suis intéressé. Viens là, faut qu'on cause. Bum! Ah, d'accord. Non, je veux pas l'éliminer, je veux le tacler! Olé! Ok. Élimination confirmée. Récupération de la cible. Tout va bien. Et c'est fini. Ouh. Après un fail et 10 minutes de jeu dans le vide, on a trouvé la cible, récupéré la cible et du coup atteint l'objectif. Ok. Alors maintenant, partie la plus intéressante, quitte la zone. Est-ce qu'il y a moyen quelque part de choper un container pour me permettre de quitter la zone déjà plus rapidement, de manière plus safe, et tant qu'à faire avec quelques minerais bonus? Je suis pas sûr. En tout cas pas dans ce camp là. Ouais, j'ai choisi mon mauvais camp. Dégagez les chiens. Mais, moi la paix. D-Dog, tu veux pas leur dire quelque chose? D'accord. D-Dog, il s'en fout complètement de ma situation. D-Dog, c'est l'ami des chiens en fait. Moi je suis l'ennemi des chiens, hein, je sens le beefsteak. Mais Didi lui c'est... rien à secouer, il m'attaque pas moi, donc bon, pourquoi leur donner un coup? Alors attends, parce que du coup, ils n'ont pas du tout de container. Bon, bah, écoute, je vais appeler un hélicoptère, à l'ancienne. Voilà, juste ici. Et comme ça, on pourra compléter la zone. Et vu que je suis pauvre... Je vais devoir me faire tout ça à pattes. Ce qui va donc permettre à l'hélicoptère de venir, hein, moi, le temps que je fasse la route. Et finalement, on n'y perd pas grand-chose. Cette mission s'est conclue plutôt pas mal. On a accompli 4 objectifs sur 7, si j'ai bien compris. Et avec le peu de choses qu'on a fait depuis le début, et avec le temps qui nous reste, je pense qu'on peut encore commencer une nouvelle mission. Et à tous les coups, ça va se terminer, comme pour l'épisode précédent, avec, je pense, la fin de l'épisode à la moitié de la mission. Ou alors... Si la mission est assez courte, peut-être qu'on aura le temps de la finir. Et si c'est le cas, ce serait vachement bien d'ailleurs. Oulala, 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 c'est très le missile. Non, d'accord, c'est très la fusée de détresse. Les coupins, je vous aime les coupins. Attendez-moi, on rentre à la maison, on va se faire un chocolat chaud. Ok, embarquement réussi. D-Dog, t'es là? Je crois que Didi est là. Je l'entends bouger ses petites papates. Et du coup, je vais pouvoir me venger. Où est le camp? Où est le camp? Où est le camp? Le camp est normalement de l'autre côté, en fait. D'accord. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Eh bien, on se retrouve donc pour la seconde partie de notre épisode numéro 37, toujours en compagnie de Big Boss et de retour dans l'hélicoptère de commandement, tout simplement parce que j'ai eu un petit problème. Et c'est donc pour ça que je vous ai fait une ellipse qui aura duré tout de même pas loin de 2 jours. Ouais, rien que ça. Il faut savoir que cette première partie a crashé, tout simplement parce que j'ai commencé à tourner, et j'ai malheureusement oublié de faire le vide dans mon disque dur. Ce qui veut dire qu'à la fin, je me suis retrouvé avec 2 pauvres géos pour stocker mes données, ce qui n'était donc pas énorme. Sur 25 minutes de tournage, j'ai pu en récupérer 20, juste le temps de terminer la mission. Donc je sais pas comment je vais m'arranger parce que les crédits ont crashé totalement. Je pense que je vous ferai une sorte d'ellipse et on se retrouvera dans l'hélicoptère. Enfin, de toute manière, vous le savez bien avant moi parce que ceci est la seconde partie. On se retrouve donc de nouveau dans l'hélicoptère de commandement. J'ai eu l'occasion de me changer parce qu'on était en tenue blindée. Et, histoire de compléter cet épisode que je trouvais un petit peu court et un petit peu vide parce qu'on a
juste terminé la mission précédente, j'ai l'intention aujourd'hui de faire la mission 27, la source du problème. J'ai eu l'occasion de lire vos commentaires dans lesquels vous me stipuliez que l'épidémie est quelque chose de grave, qu'il fallait vite que je résoudre dans un minimum de temps, tout simplement parce que sinon ça allait aggraver la santé de mes hommes, qui sont apparemment tous en danger. Il est possible de disséminer tout son armada de Kazma et c'est pas du tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, on va tenter de récupérer un homme qui a des informations sur l'épidémie qui touche ma Motherbase. Beaucoup de personnes m'ont dit aussi que pour localiser les personnes qui pouvaient avoir cette même épidémie, il fallait trouver un lien qu'ils avaient entre elles. Alors j'ai pas eu l'occasion de rechercher parce que je viens tout juste de redémarrer la console. Mais voilà, plus vite on s'attaquera au problème, plus vite on l'aura résolu, plus vite on sera débarrassé de tout ça. Alors, sauvons le membre de l'équipe de renseignement qui a obtenu des infos sur l'épidémie touchant la Motherbase. On va faire cette mission aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Si ça dure pas trop longtemps, on enchaînera avec la mission suivante. Si ça dure un petit peu, je pense qu'on se limitera à cette mission pour l'épisode, tout simplement. En plus, la zone de mission n'est pas grande, donc ça devrait aller vite. Ouais, ça va le faire. Ok, objectif, médecine. On part à la recherche d'un homme qui a des infos sur cette fameuse épidémie de la Motherbase. C'est notre objectif numéro 1 et je ne ferai pas de secondaire tant qu'on ne l'aura pas secouru. Donc, j'ai malheureusement par contre oublié, je viens juste d'y penser, de changer de véhicule. Donc je suis encore avec mon gros blindé. Donc voilà, ça va être pratique pour se déplacer en mode fufu, surtout de jour. J'ai pris Quiet, histoire de changer un petit peu parce que j'ai pas mal pris Didier en ce moment. Et j'avais une dernière chose à dire, je sais plus c'est quoi. Oui, j'ai eu une upgrade sur le Fulton dans lequel apparemment je pourrais récupérer des enfants. Et ça c'est pas mal. Je sais pas à quoi vont servir les enfants parce que je pense pas qu'ils vont servir à se battre ou peut-être que je pourrais en contrôler en mission. Non, j'avoue que je peux les secourir mais je sais pas à quoi ça sert. D'accord. Nous voici arrivés au camp. Il y a plein d'hommes un peu partout. On va faire en sorte que Quiet nous aide un petit peu. Tu vas faire un petit coup de reconnaissance. Voilà, prendre des infos. Et de mon côté, je ne sais pas du tout comment je vais agir. Je pense que le bon plan, ça aurait été de venir de nuit. Mais à la limite, comme dans toutes les missions, en fait. Parce que là, c'est trop ouvert. Il y a même pas d'arbres, il y a même pas de cactus, de buissons, de quoi que ce soit pour se cacher. C'est pas génial, hein, l'Afrique. Niveau cache-cache, c'est zéro. C'est 0 pointé. Même 0 sur 20. Ok. Si j'avais un mec qui avait des infos, c'est que je le mettrais. Apparemment, il y a un mec là-haut. Prisonnier. D'accord, donc c'est pas lui. Moi, si j'avais un mec qui déteindrait des infos sur une épidémie quelconque, qui plus est un prisonnier, je le mettrais dans ce bâtiment. Bâtiment qui est complètement clos. Très bien. Dis-moi, toi, est-ce que tu voudrais bien dodoter dans la discrétion? Voilà. Il y a des hommes à proximité. Je sais pas s'ils me voient. Je m'en moque. Bonjour. Je cherche un homme qui a des infos. Bon, bah, c'est pas ici. Ok. Bien. En termes de recherche, Kazma, tu es toujours le meilleur, je remarque. Toujours à dégoter les bons plans et les bonnes cachettes. Non, c'est pas moi. C'est pas vrai. C'est ton pote. Hein. Il s'est endormi et la porte était juste un coup de vent. Voilà. Tu dodotes. Ok. Bon. Alors là, niveau déplacement, ça risque d'être compliqué. Tu sais ce qui manque, en fait, dans un MGS? Une tenue de camouflage soldat. Genre, la possibilité de pouvoir s'habiller avec des fringues ennemies. Ça, ce serait génial en termes de camouflage. Et là, niveau infiltration, je pense qu'on pourrait pas faire mieux. À la même manière d'un Hitman, en fait. C'est vrai qu'Hitman, tu peux faire ça. Et ça te permet toujours d'accéder à plus de trucs. D'ailleurs, on m'a posé la question récemment si j'allais faire un Hitman. Je sais pas. Je sais pas du tout parce que c'est pas mon style de jeu. Je suis pas méga méga fan. Mais... Oula. C'est pas l'endroit que je cherchais. Il y a eu un massacre ici.
Alors ça, c'est une très bonne question. Alors je suppose qu'il était détenu en otage et il a voulu se libérer, donc il est parti de force. Il s'est bien débrouillé, hein, mais il a l'air de saigner. Alors à tous les coups, voilà, il a laissé des traces de sang un petit peu partout. Et ça va être à nous de jouer les détectives Conan. A vehicle has fled the guard post heading northwest. The prisoner at the wheel appears to be the target. The escape on his own. The target is no longer at the designated position. Find that vehicle fast. Oh là. Oh là là, attends. Attends. Il y a des mines de proximité un peu partout. Mais Boss, did you see that explosion? There's smoke. The target's crashed his vehicle. That'll bring the enemy down on him in no time. The target's in danger. Get to the scene of the crash. Le délire, c'est que je sais pas jusque où vont les traces de sang. Y'a un mec qui galope ici. Attends. M'a pas repéré, hein. Non, m'a pas repéré. D'accord. Ils ont mis des mines de proximité tout autour de leur camp. Et c'est pas pratique du tout. Par contre, ce qui est bien pour moi, c'est que je désactive et j'en récupère. Mais par contre, pour revenir sur les taches de sang, je les ai totalement perdus. Oh, mais j'aurais été devenu, ça aurait été genre tellement plus simple. Parce que là, je ne visualise pas du tout le sang. Attends. Aïe! J'avais pas vu. Non, c'est pas moi. Je suis un carton. Attends. Un carton. Voilà. Je suis un carton dans une pente. Donc tout va bien pour moi. D'accord. Il y a du sang qui remonte de ce côté. J'avais pas vu. Voilà. Je suis un carton qui agite dans la plus grande des discrétions. Je suis un carton qui aime le sang. Un carton qui lèche du sang pour vivre. Et personne ne me capte, hein, je remarque. Tout va bien pour moi. Tout va bien. Attends. Les traces de sang vont où là? Parce que les traces de sang, elles allaient jusqu'ici. Et ensuite, elles vont où? Là. Là, il y a des traces. Cap les traces, Kazma. Cap les traces. Elles sont où, bordel? Il est quelque part. Oh, Coco, t'es là? Non, t'es pas là. Ah, attends. Allez, on verra un petit peu mieux. Y a pas de traces de sang. C'est pas mal comme style de mission, ça change en plus. Monsieur qui perdit du sang. Tu es allé où? Monsieur qui perd du sang, t'es allé là-dedans? Par hasard? Je sais pas, mais il y a des trésors. Bonjour! Non, du tout. Bon, alors attends. On va vider le bâtiment une première fois. Histoire de se mettre bien tout de même. Voilà. Et ensuite, on va continuer. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'on ne soit pas un homme sauvage. Un peu à la manière d'un Tarzan ou d'un Indiana Jones. À lécher le sang pour savoir où serait notre victime. Attends. Est-ce que... Endors-le! Ah! Malheureusement, ce n'était pas la discrétion voulue. Bon, c'est pas moi, c'est Coyote. Voilà, attire-les pendant que moi je travaille. Je travaille et je ne trouve pas ma cible. Es-tu là? Tu n'es pas là du tout. Purée, je suis sûr qu'il est pas loin en plus. Mais alors, à visualiser de jour, c'est ignoble. Avec tous ces effets de lumière, attention, c'est très très beau, hein, surtout quand tu sors d'un bâtiment. Mais alors... La jouer détective, c'est immonde. Mais les traces de sang s'arrêtent là. Et c'est pas volatilisé quand même. Si? Bah il semblerait que si. Je suis sûr, il y a des traces pas loin en plus, hein. Coco! Coco. Attends. Quelque chose? Nope. Rien du tout. Ah, mais attends. Mais what? Ah, mais il est là. D'accord. Donc, j'avais pas vu, mais j'ai un nouveau pointeur. Pointeur qui se dirige donc vers le second camp. C'est apparemment le trajet de la cible, donc sûrement que je vais tomber sur lui. Je ne pense pas qu'il suive la route, donc on va essayer de passer sur le côté. Ok, c'était l'intervention de la maman. Je sais plus ce que je disais. Oui, je disais que la cible n'allait sûrement pas s'enfuir sur la route.
Donc à mon avis, je devrais le trouver à proximité. Putain, mais c'est pas possible. Si je dois le chercher dans une zone aussi large, je veux dire, c'est technique quoi. Et je ne sais même pas si je cherche une personne qui est censée être mon allié ou mon ennemi. Parce que on voit un feu de marquage, un feu de marquage rouge. Et d'ailleurs, moi aussi, je me suis fait remarquer. Attends. Voilà, tu te calmes, Bambinos. Voilà, tu te couches. Mais je ne sais pas si je vais tomber sur mon nouveau copain à proximité ou non. Ah! Bam! Voilà! Toi! C'est toi ma cible! Attends. Ok, c'est bien lui ma cible. Donc, on va faire quelque chose rapidement. On va demander un hélicoptère à proximité ici. Alors maintenant, par contre, l'idée, ça va être de le descendre jusque là. Ça va le faire. Ça va le faire. On y croit. J'ai vu qu'il y avait une Jeep juste en dessous. Voilà. Juste de quoi le ramener à destination. Bon. Si c'était le seul et unique objectif de cet épisode, ça devrait le faire. Ce qui veut dire aussi que je pense qu'on va s'arrêter là parce que je ne sais pas ça fait combien de temps réellement. Parce que j'ai pas commencé directement l'épisode en démarrant l'enregistrement. Mais voilà, je pense que ça comblera assez bien cet épisode numéro 37 qui n'aura comme ça pas été vide de contenu en tout cas, je trouve. Mais ouh, j'ai été du mauvais côté. J'ai été du mauvais côté alors que je n'étais même pas repéré. Vite. Non, vous n'avez pas le droit de tirer sur mon copain. C'est mon copain et personne tire sur mon copain. Ok, ils ont lâché mon copain. Alors attends, on va essayer de descendre. Voilà, en ligne droite. Ça passe. Mais attends. Attends, quoi? Ah non, c'est un 4x4 ça. J'ai appelé un hélico, il est où? J'ai appelé un hélico. Où est mon hélico? Je souhaiterais... Voilà, un hélico. Merci. Donc j'avais appelé un hélico. Ça n'a pas fonctionné. Sûrement que j'ai fait retour sans le faire exprès. Bien. On est arrivé à destination. Donc, mon pote. T'as envie? Il a l'air en vie. Viens là. On va te ramener à la maison. Et on va pouvoir en savoir plus. Je me demande s'il va y avoir une cinématique juste après. Je pense qu'on va attendre un petit peu. Comme ça, on pourra savoir si je peux vous laisser directement ou si vous aurez droit peut-être à une cinématique, histoire de, comme je vous l'ai dit, combler cet épisode. Parce que finalement, cet épisode, ça a été un petit peu l'épisode fourrage. On y met tout le contenu que personne ne veut voir parce que il n'y avait rien d'intéressant dans cet épisode. Mais c'était nécessaire pour le bien de l'aventure. Pour le bien de mes hommes, parce que le mec qui est là a des infos sur l'épidémie. Et puis voilà quoi, tout simplement parce que aussi c'est le jeu. Où est l'hélico? Où est l'hélico? Attends, j'ai aussi de remarquer un truc, c'est que la Jeep était juste en dessous. Oui, deux secondes, j'ai vu. Voilà, bien, heureux, comblé, oui. Comblé. Et Coyote aussi a l'air comblé. Bien. Toi, viens avec moi. On y va. J'espère que j'ai pas perdu trop d'hommes dans cette opération. Attends. Voilà. Coyote, embarquement. Tout de suite. Bien. Bah ça a été assez facile. Sans trop de difficultés. Non, une petite mission toute simple. Limite secondaire en fait. Je pense réellement qu'ils auraient dû mettre cette mission en secondaire. Parce que... c'est le genre de mission où, bah du coup comme je l'ai dit, il s'est rien passé de très spécial. On a récupéré un homme important, mais c'était pas marqué. Extraction arrived at Mother Base. Mission complete. Great work. Parfait. Et je viens juste de voir qu'au niveau des liens, on est vachement bien. J'avais pas vu, mais avec Cannabis, on est à fond.
Avec Didi, on est à fond, et c'est d'ailleurs pour ça que la dernière fois, j'avais déverrouillé sa customisation, parce qu'il est possible de le customiser quand tu as son niveau de lien à fond. Et avec Coyote, il me manque 3 petits points de niveau, donc je pense qu'on va favoriser Coyote sur les quelques chapitres qui nous restent. Et puis, on va bien voir ce que ça donne. On va continuer un petit peu, genre 2-3 minutes, histoire de voir si on n'a pas une cinématique, et si jamais, je vous coupe cet épisode maintenant. Donc d'avant, je vous fais peut-être de gros bisous, ou non, je sais pas. Team member you extracted was DOA. He kept insisting we listen, right up until his last breath, about the pathogen, and the old man who knows how to treat it. Code Talker. He even told us where he is. Boss, let's make sure his death was the last. It's high time we met this Code Talker. Standing on the edge of the crater, like the prophets once said, and the ashes are all cold now, no more bullets, and the embers are dead. Whispers in the air tell the tales of the brothers gone.